rentrer avant l'ameublement et puis l'habillage, je vais vous montrer les peu d'outils que je me sers pour bricoler. Vous allez rire parce qu'il n'y a vraiment pas grand chose. J'ai pas de scie sauteuse, j'ai pas de perceuse, hérisseuse. Voilà, j'ai que ça. Une scie à métaux, une passe multiprise, avec plusieurs choses dessus, un petit couteau, une petite scie, un ciseau, une pince à dénuder, voilà, quelques tournevis cruciformes, un plat, une règle. Voilà, j'ai pas grand chose. Un petit marteau, même pas un gros marteau. Alors, voici les deux placards, je vais vous montrer à quoi ça sert et comment j'ai fait ça. Je mets deux petites charnières vissées d'un côté et du silico de l'autre côté. Là, les petits crochets pour pouvoir les tenir, pour que ça bouge quand ça roule. Là, des petits rails que j'ai découpés. Voilà, j'ai agencé ça avec un petit crochet pour bloquer. Quand je roule, et aussi je déplie, voilà, ça permet d'orienter la télé, mais ça permet aussi de bloquer si je bouge dans le véhicule, c'est vite que la télé se casse la gueule. Voilà, donc je passerai les câbles de là derrière, bien sûr. Hop, on remet, on repousse. Hop. J'y arrive. Voilà. Et on referme de ce côté. Et de l'autre côté, je pense que ça va être plutôt la console. Et quelques câbles. Je ferai sûrement un petit casier là. Ou autre chose d'ailleurs. On verra bien. Donc ça fait un rangement assez grand. Assez pratique. De l'autre côté. Un des meubles, un des placards. Alors, il y a assez de profondeur. Là, il y a un tout petit peu plus petit. Voilà. Alors, le deuxième. Oh, une hauteur. Voilà. Pour moi, c'est assez grand parce que j'ai pas une tonne d'affaires à mettre. Voilà. Ce que vous voyez en blanc ou en gris, c'est du silico. Donc j'en ai foutu partout, comme vous pouvez le voir. J'ai même fait un petit test de peinture, mais ça donne pas grand chose de fameux. Mais on verra ça plus tard. Pour l'instant, je dois finir déjà l'ameublement et puis l'habillage. Ça serait déjà bien. Voilà. Essayez de voir ce que ça donne en loin. Voilà, vous avez un petit aperçu déjà de ce côté-là. Et voici l'autre meuble. Donc là, je l'ai mis des palettes. J'ai coupé. J'ai mis du contreplaqué de 6 mm pour celui-là. Là, j'ai mis du 3 mm. Pareil pour les côtés.
3 mm. Là, pareil. La langue n'était pas facile à faire. C'était pas simple. Et là, je n'ai pas encore fini parce qu'il me manque le bout de planche. Comme je fais un peu de récup, j'attends d'avoir le morceau qu'il faut. Et comme vous pouvez voir, j'ai déjà commencé un peu l'électricité. Donc là, vous avez un câble pour le 220. Vous avez l'arrivée du panneau solaire. D'ailleurs, je vois qu'il okay, recharge déjà. Là, un petit branchement pour le petit tableau qui est en haut. Il y aura sûrement quelques trucs. Je vous montrerai ça sur la prochaine vidéo. Et mes portes que j'avais commencé et que j'ai dû tout retirer parce que au final ce que j'avais mis n'allait pas, ne collait pas. Et du coup on va remettre du contreplaqué de 3 mm. Et puis voilà. Et puis le sol, pareil, j'ai mis du plus gros là, j'ai mis du 6 mm pour le sol pour que ce soit pas gondolé, que ce soit un peu plus costaud. Et donc les plaques qu'il y a là qui font tout le tour, le toit, le dessous, voilà, les fonds aussi, les fonds sont comme ça, même dans les placards. Et donc ce matériau là c'est du des plaques de véranda pour faire les toitures de véranda. Donc il y a plusieurs épaisseurs, moi j'ai pris moi du 4 mm donc pas une grosse épaisseur, mais ça suffit. Ce que j'ai bien aimé, c'est que j'ai pu faire mes angles ronds sur le toit parce que sinon ça aurait été un peu plus bordélique. Et ce que j'aime bien, c'est que on ne voit pas trop l'extérieur, mais on distingue quand même les choses, et de l'extérieur on ne voit pas l'intérieur, et ça c'est pas trop mal, même s'il y aura sûrement des rideaux qui seront mis là pour isoler. Ce que j'aime bien, c'est que ça fait un petit côté fenêtre de salle de bain pour les extérieurs, et qu'en même temps bah, le soleil rentre et que ça fait de la lumière aussi dedans. Donc là vous voyez, j'ai les occultants pour éviter que ça chauffe trop, et malgré tout bah, j'ai une belle entrée de lumière dans la douche chaude, et ça c'est pas mal. Je vais vous montrer aussi mes occultants que je suis en train de refaire. Voilà, quand j'ai acheté la voiture, j'ai eu ce genre d'occultant qui vient de Decathlon, et le mec a fait ça lui-même, ce qui est pas trop mal hein, en soi. Et je voulais les renforcer avec de l'isolant. Donc j'ai fait pour la vitre de devant. Voilà, donc, on voit l'isolant d'avant avec du multi-couche par-dessus. Et je vais remettre ce tissu. Première partie posée. Et voilà la finition des occultants.